Les jours précédents, on avait vu les mots. L'enseignant écrit une consigne. On avait vu dans l'enseignant plusieurs pièges. Le L apostrophe. On n'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule. Donc L apostrophe. L'enseignant, comme on a dit, c'était le en de tente. Le est, c'est le est de neige. Le mieux de montagne. Le en de panda. Et on a un T muet, parce qu'on peut dire une enseignante. Hein. Une enseignante, c'est une maîtresse. Écrit, hein, il n'y a pas de difficulté majeure, sauf le petit piège à la fin, hein, le T, comme dans écriture. L'enseignant écrit une consigne. On a le on de cochon. Le mieux de montagne, avec un E muet. Les derniers mots de la phrase, donc l'enseignant écrit une consigne sur la ligne. Ligne, on voit qu'on a le mieux de montagne, et on a E muet. Donc, n'hésitez pas à regarder les petites affiches pour vous aider à bien décrire le son. Les parents, vous pouvez aider votre enfant en lui disant attention à la lettre muette. Quoi qu'il en soit, à la fin, quand tu leur as fait ces différents essais, il faudra le comparer aux mots affichés. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je cache tous les mots. Donc l'enseignant écrit une consigne sur la ligne. Attention. Quel est le mot que j'ai écrit ici? Vous pouvez mettre sur pause. Il s'agissait du mot écrit. Écrit. Hein. On a le T qui est muet. Allez, on continue. Attention. Voilà, j'ai caché un mot ici. Quel est ce mot? Vous pouvez mettre sur pause. Il s'agissait du mot ligne. Ligne, c'est le mieux de montagne et on a un E muet. Allez, on continue. Quel est le mot que j'ai caché? On peut faire relire la phrase à l'enfant, l'enseignant écrit une quoi sur la ligne. Hein, attention, on a les aides ici. Une fois que l'enfant vous a dit le mot, il peut céder des petites affiches référentes. Et on a ici une lettre muette à la fin. Vous pouvez mettre sur pause. Il s'agissait du mot consigne. On a le on, le cochon, et le mieux de montagne. Et on a une lettre muette. Allez, attention. Voilà. Quel est le mot qui est resté caché? C'est un grand mot avec pas mal de pièges. Si l'enfant ne s'en souvient pas, les parents, vous pouvez lui dire le mot. Et ensuite, il cède des petites affiches référentes. Et attention, il y a une lettre muette. Vous pouvez mettre sur pause. Il s'agissait du mot l'enseignant. N'oubliez pas le L majuscule, l'apostrophe, le en, et il y a un T muet. Voilà. À la fin, vous pouvez donc demander à votre enfant de comparer donc ce qu'il a écrit à ce qu'il voit sur la télévision, sur la tablette, sur l'ordinateur, et lui demander de corriger. Je reste à votre disposition pour toute question.